Donc, bonjour à tout le monde, je m'appelle Ulrich Mainzer, je travaille dans le CERUMIP, sur le site de l'hôpital Robert Debré. Tout à l'heure, vous avez dit que Pierre, il parle très rapidement, donc moi aussi, j'ai un défaut, donc moi je suis d'origine allemande, et donc je parle avec un fort accent, et donc j'espère que même les gens connectés de façon internationale vont pouvoir me comprendre. Donc le sujet, c'est pourquoi s'intéresser à l'intestin et aux bactéries qui colonisent notre intestin. Et comme vous savez, donc Pierre vous a montré les différents groupes de la juvénile hypépathie. Et donc moi, je vais traiter un peu les différents groupes ensemble. Vous voyez, ça va être un peu pas complètement strict, vraiment une séparation. Et en gros, pour tous ces différents groupes, bah, pour l'instant, on ne sait pas très bien comment la maladie fonctionne vraiment. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il y a un déclenchement de la maladie. Et donc, il est généralement admis qu'il y a des facteurs génétiques qui ne sont pas suffisants, ce n'est pas un gène, c'est une multitude de gènes, une constellation de gènes, qui doivent jouer avec des facteurs de l'environnement, lequel, on ne sait pas très bien, il y a plein de facteurs qui ont été proposés, la fumée, les cigarettes, les virus, les bactéries, mais il n'y a aucun qui est vraiment sorti comme le facteur déclenchant. Et du coup, les causes de ces maladies-là, elles restent toujours inconnues. Et puis, donc, récemment, donc je vais vous montrer pourquoi, il y a le tube digestif donc, et beaucoup de discussions en ce moment. Donc ce topo il va traiter donc, le lien entre le tube digestif ou le lien potentiel entre le tube digestif et l'arthrite inflammatoire. Donc le microbiote, c'est quelque chose que je crois avoir un sujet de recherche qui est très très à la mode en ce moment. Il y a beaucoup de communication autour. Et si on regarde maintenant le microbiote et la barrière intestinale, ben vous voyez qu'il y a, donc ici, il y a Donc vous voyez ici, si ça c'est notre intestin, l'épithélium. Et donc l'épithélium, il est en contact en fait avec à la fois tout le contenu digestif, que ce soit des aliments ou toutes les bactéries. Et après, il y a la muqueuse qui fait donc l'interface avec le milieu intérieur. Et à l'intérieur, il y a donc l'immunité intestinale. Et en fait, notre intestin, c'est le plus grand organe immunitaire de notre corps. Donc là où il y a le plus de cellules. Et après, derrière, bah, il y a toutes les cellules qui sont donc des cellules dans notre système, dans le circuit des cellules qui circulent dans notre sang. Et du coup, il y a finalement il y a un atrite où on va trouver donc une synovie, une activation des cellules aussi qui sont dans cette articulation. Et on peut se dire donc, s'il y a une interaction aussi directe et aussi proche entre l'extérieur, le microbiote, et l'intérieur, notre organisme, on peut se dire, mais est-ce que c'est si un dysfonctionnement dans cet équilibre qui est vraiment très très subtil, est-ce que ça peut déclencher, oui ou non, des arthrites? Donc il y a dans les modèles murins, il y a donc c'est des souris qui pour une raison ou une autre vont faire une arthrite. Et en fait, quand on met dans quelques-uns de ces souris-là dans un environnement stérile, ça veut dire qu'ils naissent dans un environnement complètement sans germes, ils vivent dans un environnement sans germes, sans système immunitaire intestinal qui est complètement anormal, mais eux, ils ne vont pas développer d'arthrite. Donc là, c'est normalement, ils sont en arthrite ici, et ils ne développent pas d'arthrite s'ils sont dans un environnement parfaitement stérile. Encore une fois, c'est une condition complètement anormale avec un système immunitaire pas complètement anormal, mais on peut dire que dans certaines conditions, les micro-organismes intestinaux participent au développement d'arthrite humain dans la souris. Après, il y a l'avancement technologique qui a permis aujourd'hui de décrire vraiment ce qui est exactement dans notre tube digestif. Hein. Donc aujourd'hui, on peut décrire les bactéries, les différents groupes, des sous-familles et encore des sous-sous-familles de ces bactéries-là. Et donc, on pose aujourd'hui la question, donc beaucoup de maladies, donc je la pose ici pour les arthrites juvéniles, est-ce que c'est quelque chose qui peut influencer notre maladie et qui à terme peut être utilisé pour moduler ou traiter la maladie?
Alors, qu'est-ce que c'est le microbiote intestinal? Donc, il y a à peu près 10 puissance 14 micro-organismes dans nous, tous ici. C'est à peu près 10 fois plus de cellules, de bactéries dans nous que de cellules humaines. Donc, on est quelque part plus bactéries que humains, que nous sommes. Il y a à peu près 10 espèces différentes et qui sont reparties selon un gradient. Donc, il y a très peu de bactéries dans notre estomac et puis beaucoup de bactéries dans le. Et beaucoup de bactéries dans le côlon. Si on regarde l'évolution du microbiote intestinal au cours de l'âge, donc vous voyez qu'à la naissance, il y a très très peu de bactéries dans nous, même s'il y a dans les liquides amniotiques, il y en a quand même peu. Et puis, il y a une augmentation du nombre, mais aussi de la diversité. Et cette augmentation se passe surtout dans les premières années de vie. Donc, premières années de vie jusqu'à l'âge d'à peu près 3 ans. Donc, l'âge jusqu'à à peu près 3 ans, donc c'est assez précoce. Donc, ça concerne quand même quelque chose qui, pour nous, pédiatres, est important. On peut se demander, mais est-ce que des perturbations qui se font à ce moment-là vont avoir un intérêt pour nos maladies? Est-ce que ça pourrait expliquer même pourquoi l'âge a une présentation différente que les maladies avec un attrait inflammatoire chez l'adulte? Et donc, il y a des équipes qui se sont demandées si l'exposition aux antibiotiques, sachant que les antibiotiques, ils peuvent induire une dysbiose, ça veut dire qu'ils peuvent induire une anomalie de cette composition de la flore intestinale. Donc, si une antibiothérapie à répétition est associée à un développement de l'arthrite. Et donc, les résultats, donc il y a deux études qui sont maintenant clés. Pourquoi ça change tout le temps? Est-ce qu'ils montrent? Donc, c'est des données sur des registres, donc assez grands registres avec 1200 malades AGI et 5000 contrôles. Est-ce qu'ils montrent que, effectivement, le risque de développer une arthrite juvénile augmente et en fait, il y a même un effet dose, ça veut dire le plus souvent où que l'enfant a été exposé aux antibiotiques, le plus fort il y a le risque. Et puis ceci est vu en combinaison avec plusieurs antibiotiques, et notamment des antibiotiques qui ont un très très large spectre, donc qui vont tuer beaucoup de bactéries différentes. Donc c'est une observation, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien cause à effet, mais ces observations existent. Et après, au niveau de l'analyse du microbiote intestinal, chez les enfants avec une arthrite juvénile idiopathique, il y a très peu de données. Les peu de données qu'on a là, ils sont de mauvaise qualité parce qu'il y a souvent des problèmes plus méthodologiques, parce que c'est des petits échantillons. Il y a quelques études qui sont en train de sortir chez les adultes avec une polyarthrite rhumatoïde. Il y a une étude que moi j'aimais bien, donc qui était apparue en 2013. En gros, eux, ils ont pris des patients avec une polyarthrite rhumatoïde non traitée, donc qui était au début de leur maladie. Ils ont comparé ça à des contrôles. À des patients avec polyarthrite rhumatoïde chronique et puis des patients avec une psoriasis. Et donc, initialement, ils ont regardé en gros les grands groupes de bactéries, les grandes familles, donc les phyla. Et donc là, ils ne sont pas trouvé de différence entre les différents groupes. Il y avait une richesse qui était comparable dans les différents groupes. Et après, ils sont allés dans, un peu plus dans le détail. Donc ça, ils ont pris les grands groupes et après, ils sont stratifiés un peu. Et donc là, il y a un groupe qui sortait. C'est intéressant puisque c'est le groupe des patients qui sont au début de la maladie, donc ils ne sont actuellement pas de traitement. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'il y a peut-être, où ils sont trouvés là, eux, ils sont après regardé quel type de bactéries c'était, ils ont trouvé donc les Prebotellaceae. Et donc là, ils semblent avoir quand même une présence d'une dysbiose donc spécifique au début de la maladie. Donc, est-ce que cette dysbiose va induire la maladie? Est-ce que c'est un effet secondaire de la maladie? Pour l'instant, on ne le sait pas. Et donc, moi, je voulais continuer avec là où je vous ai dit qu'il y a une interaction très étroite entre le microbiote et puis de toute cette organe qui fait la barrière, donc qui à la fois va permettre l'absorption d'aliments et à la fois il doit faire que toutes ces bactéries-là qui sont dans le tube digestif ne doivent pas arriver dans le système, donc dans notre circulation, parce qu'à ce moment-là on va faire quelque chose comme ce qu'on appelle un choc septique. Hein. Et donc, tout ça c'est régulé.
Et du coup, est-ce qu'il y a des arguments pour dire qu'il y a un lien entre la barrière et l'Afrique juvénile idiopathique? Et donc, il y a des arguments purement cliniques. Donc, vous avez, quelqu'un avait dit la maladie de Crohn, donc une maladie qui fait une inflammation au niveau du tube digestif, mais elle peut avoir aussi, dans à peu près 20% des cas, des manifestations articulaires, donc extra-digestives. Il y a d'autres maladies, par exemple les arthrites, qu'on appelle des arthrites réactives. Donc là, il y a une infection qui se passe soit au niveau urinaire, soit au niveau du tube digestif. Et cette infection va déclencher encore des poussées d'arthrites. Donc c'est connu pour plusieurs bactéries, des shigelles, des salmonelles. Moi, à un moment, j'ai travaillé sur Yersinia. Et donc Yersinia, donc on a démontré qu'effectivement, donc Yersinia a des petites des effecteurs qui de virulence qui vont induire une augmentation de la perméabilité intestinale. Donc il y a là une façon indirecte pour dire, bah, peut-être il y a une association entre les deux. Il y a un diapo qui ne s'appelle pas correctement. Et du coup, je commençais à travailler sur ça. Donc, je me suis dit, est-ce que la barrière, un peu dans sa totalité, avec le microbiote, avec le système immunitaire intestinal, avec vraiment la barrière qui laisse passer des choses, est-ce que ça joue un rôle? Et je commençais à écrire des projets. Et vous m'avez donné une bourse, donc cette bourse de courir, qui était pour moi la première bourse sur ce sujet-là. Donc, je vous remercie. C'était vraiment ça qui m'a beaucoup plu, parce que c'est une bourse qui vient vraiment de vous, qui vient des parents de malades, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc, entre-temps, on a eu d'autres bourses, et malheureusement, je ne vais pas pouvoir montrer parce que ça ne s'affiche pas correctement, mais je veux dire. Donc, la première chose qu'on a fait, on a pris des souris qui, par un génie génétique, en gros, ont une anomalie au niveau du tube digestif, mais seulement au niveau du tube digestif, pas dans le système. Donc, c'est vrai que tous les anomalies qu'on voit, ils sont au niveau du tube digestif. Ce qu'on voit au niveau du tube digestif, c'est que la façon comment prolifèrent les cellules sont plus différentes, et il y a une augmentation de la perméabilité intestinale avec des... vous voyez, quand on a deux cellules qui se touchent, il y a un espace, hein, et cet espace est un peu plus grand. Donc, du coup, ça augmente un peu la perméabilité intestinale. Et après, on a utilisé un modèle d'arthrite dans cette souris-là qui est connu, hein, qui est depuis connu longtemps, s'appelle CIA, Collagen Induced Arthritis. Et on a regardé, est-ce que ces souris-là, donc, qui ont une augmentation de la perméabilité, est-ce qu'ils vont faire une arthrite plus sévère? Et c'est le cas. Donc, sur les graphes que vous ne voyez pas, c'est une courbe comme ça, où il y a une arthrite qui est plus sévère dans les souris qui sont anormales. Il y a aussi une incidence qui est un peu plus sévère. Après, vous allez me dire, bon, ça c'est la souris, c'est joli, même si vraiment quelque chose que nous sommes sur le tube digestif, qu'est-ce que ça veut dire dans nous, dans notre vraie vie? Est-ce que nous sommes en contact avec des aliments qui peuvent peut-être induire une arthrite? Donc, encore une fois, on ne va pas du tout pouvoir dire ça aujourd'hui. Et si vous voulez voir des recettes de cuisine, comment il faut faire, je peux vous dire tout de suite, je ne les ai pas. Ok, après, donc pour les malades, est-ce que ça veut dire quelque chose? Donc là, il y a quelques années, vous voyez, c'est une étude qui n'est pas tout nouveau. Il y a un groupe qui a utilisé un test non-invasif pour avoir une idée de la perméabilité. Donc ce test, il n'est pas parfait, mais en gros, on prend du sucre qu'on fait boire aux enfants ou aux adultes, et après, on mesure qu'est-ce qui est absorbé de ce sucre-là. Donc c'est un sucre qui n'est pas métabolisé, donc qui n'est pas utilisé par le corps, et on peut mesurer ça dans les urines. Et donc cette étude-là, avec très peu de malades, il montre qu'il y avait une augmentation de la perméabilité. Je ne sais pas ce que je fais, mais il y a quelque chose qui change. Que la perméabilité. Mais... je ne sais pas, j'ai fait quelque chose qui fait que ça change pour le temps. Que la perméabilité donc est augmentée
Et en gros, dans tous les sous-groupes qui ont été testés, donc c'était des patients avec une arthrite juvénile oligo-articulaire et après des arthrites aussi associées au MIKI, donc là, c'est un peu moins un scoop. Donc, c'est peu de patients, peu de données, c'est pas des données super dures, mais ils disent quand même, peut-être il y a un lien entre les deux, et c'était pas juste un effet des AINS, des anti-inflammatoires qui ont été donnés, parce que ça, ils sont testés. Je sais pas, Pierre, est-ce que tu sais quoi je fais là? Bon. Alors je vais. C'est là. Ok. Alors, dans la prochaine partie, donc, on pourrait dire, bon, est-ce que s'il y a une augmentation de la barrière intestinale, mais est-ce qu'à ce moment-là, il y a peut-être des compensations de bactéries, donc des petits morceaux de bactéries, pas des bactéries complètes, mais qui entrent dans la circulation. Donc, ça-ci n'était pas simplement montré dans le syndrome métabolique, hein, donc dans le diabète, dans les maladies métaboliques, dans notre société, où on trouvait plus de LPS corrélé à une augmentation de la perméabilité intestinale. Donc, est-ce que ça pourrait faire du sens pour les arthrites et les arthrites juvéniles aussi? Oh, plus ça ne marche pas. Donc là, c'est encore une fois, c'est toujours pas le même fichier. Donc là, c'est toujours les souris donc, qui sont anomalies seulement au niveau du tube digestif, donc qui sont très plus forts. Et dans ces souris-là, on a donc dans le sérum, effectivement, il y avait plus de LPS. Donc il y avait une coïncidence en gros entre augmentation de composants bactériennes dans le sang. Donc ce n'est pas des bactéries complexes, c'est vraiment une partie de la surface bactérienne qui était associé à l'arthrite. Donc, en ce moment, on est en train de faire un peu des analyses pour essayer de trouver le mécanisme qui lie l'augmentation de la perméabilité intestinale au développement de l'arthrite. Donc, ça, c'est en ce moment en cours au laboratoire. Donc, est-ce que ça pourrait être tout simplement l'augmentation de ces composants bactériens dans le sang? Est-ce qu'il y a un lien entre composants bactériens dans le sang et arthrite? Dans le modèle animal, oui, puisque si vous prenez une souris, et vous prenez des composantes bactériennes, donc vous injectez directement dans l'articulation, mais ça fait une arthrite aiguë, ça veut dire après 3 heures, vous allez avoir une arthrite. Et après, si vous prenez une arthrite, donc qui... Ah, ça va, là. C'est peut-être le micro. C'est cours de magie, en fait, aussi. Et donc là, c'est une arthrite chronique. Donc vous voyez, donc là, il y a une mesuration, en gros, de ce score d'arthrite. Donc il y a une augmentation de cette score d'arthrite-là. Et si après, on met en IV ou même per os des composantes bactériennes, ben, à ce moment-là, il y a une aggravation de l'arthrite. Il y a une poussée de l'arthrite, on peut dire. Hein. Donc est-ce que c'est ça qui va expliquer chez nous ou nos enfants l'arthrite? Pour l'instant, on ne sait pas, mais encore une fois, ça, c'est quelque chose que nous, on est d'explorer. Après, ce n'est pas choquant non plus, puisque dans les vaccins, par exemple, on met bien quelque chose qu'on met un adjuvant, et c'est en gros des substances un peu comparables, mais qui font en gros un boost de l'immunité. Donc, il y a une immunité qui est encore plus surexcitée, et que ça participe à une poussée, c'est pas choquant, mais ce n'est pas démontré. Il faudra le démontrer. Ok. Est-ce qu'on peut trouver des compensations bactériennes dans les articulations? Donc on peut. Hein, donc ça, il y avait des études, pareil, ça commençait. Il y avait une théorie sur ça déjà dans les années 2000. Et donc eux, ils ont pris quelques malades. Donc il y a donc quelques malades, on peut trouver des compensations bactériennes. Ça dépend un peu de la technologie. C'est pas dans tout le monde. Mais on peut également trouver des compensations bactériennes chez des non-malades. Donc, il n'y a pas vraiment de quantification entre les malades et non-malades qui sont faits dans la littérature de façon compréhensible. Donc, pour l'instant, c'est une piste qu'on pourrait imaginer,
Mais, encore une fois, il faut le démontrer concrètement. Ok. Alors, je vous ai donné donc beaucoup de choses avec beaucoup de données qui sont souvent dans la souris. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour moi en pratique? Est-ce que ça va changer nos perspectives en pédiatrie? Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'en changeant le microbiote intestinal ou en changeant sa composition, par exemple par un régime alimentaire, par un traitement avec des probiotiques ou une transplantation fécale, on peut changer tous ces systèmes-là qui suivent donc la barrière intestinale, l'activation des cellules immunitaires locales au niveau du digestif, de façon systémique, des composants bactériens qui irriguent le sang et finalement l'arthrite. Et donc, si on dit, alors, association régime, est-ce qu'un régime va pouvoir changer ça? Donc, la première question, est-ce qu'un régime peut changer la composition du microbiote? Et donc là, il y a selon les personnes, il y a un type de bactérie qui peut prédominer. Donc, avec ça, ça a été proposé de dire en gros, on peut classer trois grandes classes de phénotypes, endotypes. Une fois avec une prédominance des bactéroïdes, une fois une prédominance des prévotellaceae, et puis des prévotella, et puis du rhamnococcus. Donc ça, c'est endotype. Et ces endotypes ont été associés à des régimes, comme par exemple les bactéroïdes avaient un régime riche en graisse, ou les prévotella à un régime riche en glucides. Donc, je vais dire faux. Donc, est-ce que maintenant, avec une intervention au niveau de l'alimentation, on peut changer le microbiote? Oui, donc ça c'est possible, parce que là, ils ont donné une alimentation riche en graisse pendant quelques jours, et donc là, ça c'est la flèche bleue, c'est l'arrivée d'un marqueur dans les selles, et vous voyez que ici la diversité au sein des individus va changer, avec associé à la diversité du microbiote intestinal va changer avec le régime, et puis quand on arrête le régime, ça va revenir à la normale. Donc on peut ponctuellement changer la composition du microbiote par un régime riche en graisse, par exemple. Ok. Après, nous dans le laboratoire, je me suis, comme j'ai travaillé sur la barrière, il y a des données sur des additifs alimentaires. Donc, les additifs alimentaires, c'est des choses qui sont rajoutées à notre alimentation. Vous achetez un yaourt, souvent, il y a un additif là-dedans. Et donc, il y a souvent des additifs qui changent un peu l'aspect de la nourriture, qui peut être un peu plus un gel. Ça peut être un peu partout dans notre alimentation. Et donc, il y a été proposé que quelques-uns de ces additifs alimentaires, ils peuvent changer la barrière intestinale. Donc, moi, j'ai choisi un, et effectivement, il a changé. Oups, là, on est trop loin, je pense. Qui peut changer donc la barrière intestinale. Et si on donne à manger cet additif alimentaire, mais ça peut pareil donc aggraver l'arthrite dans mon modèle d'animal et aggraver un peu l'incidence, même si l'aggravation là elle est bon, statistiquement significative, mais quand même pas très 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 importante. Donc quelque part il y a peut-être un lien entre alimentation et arthrite dans le sens d'une aggravation, donc dans un modèle animal qui est encore une fois quelque chose de complètement superficiel, donc qui est très 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 expérimental, mais ça existe dans nos données, pareil, donc ça on est en train de travailler un peu dessus. Et du coup on peut se demander, donc je vous ai dit là où toute la formation du microbiote, le plus grand changement se fait, c'est au début de la vie, c'est peut-être à plus jeune âge que nous en réalité avec nos patients. Donc est-ce qu'une intervention là-dessus va nous permettre d'éviter une poussée de la maladie ou de peut-être améliorer la maladie? Donc souvent on me pose sur la consultation cette question-là. Donc le régime alimentaire peut-il prévenir ou guérir une arthrite?
Et donc là, je fais vraiment régulièrement la bibliographie là-dessus. Et en gros, je peux vous dire tout de suite, actuellement, on n'a pas la réponse pour chaque diapo. Donc actuellement, les données sont insuffisantes pour conclure un effet positif dans le régime. Et toujours, quand vous introduisez un régime, il y a toujours un risque aussi. Hein. Toujours un risque parce que des fois, on a aujourd'hui dans notre société, on a accès en gros à une alimentation qu'on veut. Il y a des fois des carences. Il y a des carences parce que il y a des fois des parents qui via des renforcements par des groupes qui ont une forte croyance en tel ou tel aliment vont dire alors maintenant j'enlève des bactéries. Prochaine diapo. Donc qu'est-ce qu'on fait en réalité? Donc là une étude qui a été faite en Finlande. Récemment, donc en 2014, je ne sais pas si la population finlandaise se comporte très très différemment de façon alimentaire que nous. Et donc ils ont regardé dans les patients avec une maladie de Crohn ou une rectolite hémorragique, donc une MICI. Ils ont regardé aussi des patients qui avaient une AGI. Est-ce que ces patients-là, s'ils utilisent des approches un peu alternatives, et parmi ceux qui utilisent les approches alternatives, à quel pourcentage utilisent aussi une approche alimentaire? Et donc vous voyez que sur les patients AGI, il y avait à peu près 30% ceux qui utilisaient un régime particulier. Ce régime particulier, c'était souvent un régime sans lactose ou sans gluten. Et après, il y avait à peu près 22% qui utilisaient un probiotique. Donc je ne sais pas parmi vous si vous utilisez beaucoup de tel genre d'approche, mais c'est quelque chose qui finalement est déjà, donc un tiers des patients, c'est beaucoup, hein, donc un tiers des patients qui utilisent quelque chose, ça veut dire que soit les patients, ils sont extrêmement informés sur ce qui se passe et ce qui se passe sur le microbiote, ce que je vais vous exposer, mais soit il y a beaucoup de pression quelque part du marché ou de groupes qui ont une philosophie particulière pour impliquer ces traitements-là. Un prochain diapo. Ok, après, l'approche des probiotiques. Donc, qu'est-ce que c'est un probiotique? Un probiotique, c'est un micro-organisme vivant qui, donc en gros, on donne des bactéries qui pourraient avoir un effet bénéfique pour l'organisme, pour la santé. Donc c'est très très à la mode. Donc, vous voyez aujourd'hui, vous allez même dans votre supermarché, vous allez avoir des centaines de produits avec une probiotique. Donc c'est telle ou telle bactérie. La plupart des bactéries qui appartiennent aux grandes familles des lactobacillus ou des bifidobacterium. Pour l'instant, on ne sait pas très bien, mais quelle est vraiment la bonne bactérie et la bonne bactérie dans une certaine indication. Mais en gros, dans notre alimentation, vous mangez un yaourt que vous... n'importe quel yaourt, donc il contient des bactéries, en gros, donc des bactéries probiotiques, donc vous pouvez un verre de cidre, il y a des probiotiques, donc notre alimentation a toujours eu beaucoup de probiotiques là-dedans, mais après, est-ce qu'on peut les utiliser et comment on fait ça pour les utiliser? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de données pour dire, voilà, ça va être efficace ou non efficace. Et après, un autre groupe de médicaments, hein, ou ça s'appelle medical food en anglais, donc c'est des alicaments. Et c'est des prébiotiques. Donc les prébiotiques, c'est en gros les substances qui sont données pour faire pousser des probiotiques. Hein. Donc c'est ça l'idée. Donc après, il y a les associations entre les deux. Il y a, je vous ai parlé aussi des transplantations fécales. Donc ça marche dans quelques maladies, donc une maladie qui est associé à une bactérie où il y a en gros une pollution de cette bactérie-là qui détruit complètement la flore, et on prend des flores, des selles de quelqu'un d'autre, et on les met par un endoscope ou une sonde nasogastrique dans l'organisme qui reconnaît, et c'est efficace, c'est plus efficace que les antibiotiques. Donc dans quelques maladies assez particulières, ou dans une maladie très particulière, c'est efficace. Donc c'est des essais comme ça, ils sont actuellement en cours avec la maladie de Crohn. Donc, est-ce qu'à un moment, on va donner des comprimés ou directement donner des selles? C'est plus du tout une future cible. Hein. Donc, c'est quelque chose, des essais cliniques qui sont actuellement avec la maladie de Crohn en cours. Il y a beaucoup de réflexions sur ça. Il y a beaucoup de recherches sur les micro-organismes et leur rôle. Et peut-être on va trouver pour quelques maladies une efficacité.
Ok. Après, dans les athlètes, il y a pour l'instant des études qui sont souvent pas très bien faites, souvent avec des faibles nombres, souvent avec des designs d'études qui apparaît pas vraiment, qui permet pas vraiment de conclure. Il y a cette étude là qui montre qu'il y a peut-être un effet dans le groupe traité par des probiotiques, mais encore une fois, c'est une étude que moi je qualifie comme avec une méthodologie qui est pas assez dure maintenant pour en faire quoi que ce soit. Ok. Après. Donc, est-ce qu'on va avoir dans les années à venir des nouvelles approches thérapeutiques avec des prébiotiques, probiotiques, la transplantation fécale pour changer cet équilibre entre immunité donc digestive, systémique et influencer le microbiote c'est possible, donc il y a un rationnel pour le faire. Donc après, est-ce que ça va être possible ou pas vraiment? Donc il faudra faire des études de bonne qualité et contrôlée. Et donc, on a chez écrit un protocole avec pas mal de centres ici en France, donc avec Pierre Brigitte, Isabelle Melchior et moi à l'hôpital Robert Debré. Il y a, ça va être aussi à Bicêtre et à Lyon et à Bordeaux. Et donc là, on va donner un probiotique et on va regarder en gros tous les différents aspects dans ce système-là. Donc est-ce que ça va changer le microbiote? Est-ce que ça va changer la perméabilité intestinale mesurée de façon donc indirecte avec un sucre non métabolisé? L'inflammation digestive, des combustions bactériennes dans le sang, les cellules immunitaires et bien sûr, est-ce que ça va changer l'arthrite avec le score que Pierre vous a présenté tout à l'heure? Donc, je dépose. Donc, ce protocole. Non, l'autre direction. Voilà. Donc, ce protocole, ça va a priori commencer en fin 2016. Et en gros, les critères d'inclusion, ça va être donc des patients avec une HI oligo-articulaire plus ou moins extensif ou des HI polyarticulaires facteurs rhumatoïdes négatifs. Et on veut bien prendre les patients au début de la maladie, donc une critère d'inclusion, c'est que c'est les premiers 6 mois de l'évolution, parce que l'étude que je vous ai montrée chez les adultes, donc ça fait plutôt penser que c'est peut-être au début de la maladie qu'il faut prendre les patients. En pratique, c'est un rythme de tous les 3 mois, donc ça c'est en gros le rythme de suivi classique, donc il n'y aura pas plus de visites. Et donc où il y a une contre-hospitalisation d'une demi-journée au CIC où on va à son médecin qui va remplir tous les formulaires et après il y a un suivi habituel. Pendant les 2 hospitalisations au CIC, il y aura un recueil urinaire, une prise de sang, donc où on prélève un peu plus de sang de ce qu'on prélèverait dans une visite de suivi et puis un prélèvement de selles. Et pour cette étude-là, donc je la présente ici parce que j'aurai probablement besoin de votre aide pour la communiquer. Donc je propose de faire là à la fin de l'année, de voir dans le journal qui va apparaître une petite explication sur le rationnel et de cette étude-là. Donc les probiotiques, normalement, il n'y a pas d'effet secondaire ou plus d'effet secondaire. Donc a priori, il n'y a pas de risque pour les populations. Est-ce que ça va marcher ou pas marcher? On ne sait pas et on ne va pas le savoir si on ne fait pas des études de ce genre-là. Donc, dernier dépôt. Donc, en conclusion, les données sont en faveur d'un rôle du tube digestif pour l'arthrite inflammatoire. Un lien causal reste à être démontré. Et puis, la compréhension du lien tube digestif et arthrite pour ouvrir à des nouvelles approches thérapeutiques. Et je remercie tous ceux qui m'ont supporté pour faire cette recherche-là. Donc, vous, donc à l'Association Courir, la Société française de rhumatologie, la Fondation d'Isme français. Moi, j'avais juste une petite remarque. Je voudrais que tu confirmes donc bien qu'il n'y a aucun argument actuel pour penser que l'exclusion du lait soit bénéfique pour l'arthrite. Oui. Est-ce que ça, c'est ça. Donc, c'est un message qui est vraiment très important et très important aussi quand dans la pédiatrie, parce que là, vous avez un responsabilité pour un organisme qui est en cours d'évolution. Donc, il n'y a pas de rationnel scientifique
pour enlever le lait d'une alimentation. Il y a un risque par contre qui est bien documenté si vous l'enlevez aussi. Pareil pour le gluten. Le gluten, si vous l'enlevez, c'est quand même un régime qui n'est pas facile à suivre. Et en dehors de quelques maladies qui sont vraiment associées à la consommation de gluten, il n'y a pas de données qui disent, ouais, qui supportent l'idée d'un régime d'exclusion. Il y a des fois des cas, il y a beaucoup d'impressions, donc il y a beaucoup de patients donc, qui, avec diverses maladies, qui disent, voilà, finalement, j'ai enlevé le lait, ça va mieux, ou j'ai enlevé les gluten, ça va mieux, mais ce n'est pas ça qui nous permet d'introduire quelque chose qui est quand même très, très, très contraignant et qui a des effets considérablement importants. Et encore une fois, si vous changez un régime et vous avez des risques aussi, et actuellement il n'y a rien qui peut vraiment justifier ça. Vous allez toujours trouver des articles qui sont des articles avec une méthodologie très très critiquable et qui disent voilà, regardez, il y a des données scientifiques, mais il faut faire très très attention et vous êtes très exigeant quand vous au laboratoire, hein, donc quand vous voulez voilà, un nouveau médicament, on veut avoir beaucoup de preuves. Pour avant que le laboratoire ait le droit de dire vraiment mon médicament fonctionne. Et en même temps, on accepte très rapidement parce que c'est une copine qui a dit qu'une autre copine a vu et après on dit oh, je fais pareil. Et des fois, avec des choses comme ça, c'est très très contraignant. Donc oui, il faut donner les produits avec voilà, le lait parce que c'est notre source de calcium la plus importante en gros. Et surtout dans notre voie de développement de nos enfants qui sont à venir. Bonjour. La prise de probiotiques semble en tout cas diminuer, voire retirer totalement les maux de ventre. En fait, on a quand même des enfants qui ont souvent ce problème. Encore une fois, il y a beaucoup. Moi, je suis très. Vraiment très très prudent. Donc, je travaille moi-même là-dessus. Donc tout ce qui va dans mon sens, je peux dire oui, bien sûr, c'est comme ça. Voilà, maintenant arrêtons en fait tout le reste. On va. Non, c'est pas comme ça. Je pense que il y a beaucoup de maladies où les probiotiques sont étudiés. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire les probiotiques? Donc il y a une centaine de probiotiques aujourd'hui qui sont là. Il y a chaque laboratoire aujourd'hui a des lignes probiotiques. C'est quelque chose où il y a un grand marché derrière. Il y a un vrai rationnel derrière. Donc je vous ai exposé ça un peu là. Mais actuellement, est-ce qu'on peut dire, voilà, pour telle maladie que c'est sûr? Donc il y a par exemple la gastroentérite aiguë. C'était les premières. On a dit, voilà, on prend le produit probiotique. Oui, ça fait que les gastroentérites sont un peu plus courts. Il y a énormément d'études qui sont mal faites. Hein. Donc après, il y a bien sûr des expériences individuelles. Donc il y a des expériences qui disent, voilà, donc moi j'ai ça et j'ai l'impression que ça disparaît. Mais il y a en réalité très peu de maladies où c'est vraiment, ça se passe sur vraiment des études bien faites. Donc c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Donc il y a peut-être des effets bénéfiques. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Moi-même, j'ai fait une étude sur ça. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut... quand vous sortez de cette conférence H et vous ne pouvez pas dire voilà regardez il faut utiliser ça, ça a été démontré, non. Et parmi les probiotiques il y en a tellement qui sont peut-être très différents et c'est pas parce que vous avez l'initial du nom ou le même nom et des fois il y a le numéro 01, 02, 03 et dans les modèles animaux par exemple si entre le 01 et 03 on peut avoir des fois des effets une fois une aggravation, une fois une amélioration. Donc quel probiotique, donc quelle maladie, combien de temps, à quelle dose? Pour l'instant il y a très peu de données dans beaucoup de maladies et pour l'arthrite il y en a vraiment presque rien. Bonjour. Si on décide de donner des compléments alimentaires à base de probiotiques à notre enfant, ça peut se faire sous quelle forme concrète? Des cures ponctuelles ou sur le long terme? Parce que j'imagine que sur le long terme, on peut courir le risque de rendre peut-être l'intestin un peu paresseux, puisque ce n'est pas naturel. Donc est-ce qu'on privilégie des cures courtes ou comme vous dites, alors pas du tout de cure parce qu'on ne sait pas quelle bactérie utiliser, ou alors est-ce qu'on le donne sur le long terme, le probiotique? Alors, est-ce que c'est naturel ou pas naturel? C'est naturel dans le sens que notre alimentation normale, donc vous mangez un yaourt, vous mangez des probiotiques.
Donc, on mange en permanence des bactéries probiotiques, donc plus ou moins selon nos habitudes alimentaires. Donc, c'est pas quelque chose qui est étranger au tube digestif, en gros. Hein. Et peut-être même avec l'évolution de notre société, avec des changements du comportement alimentaire, avec moins de parasites et tout ça, on a changé probablement au cours des centaines, milliers d'années un peu notre façon de faire. On a introduit d'autres, des épaississants, des additifs alimentaires. Donc ça a beaucoup changé. Donc les probiotiques eux-mêmes, ils sont à la fois naturels et pas naturels. Donc après, combien de temps il faut les donner si on les donne, hein? Donc c'est une question que je me suis posée quand j'ai fait le design de cette étude-là. Et donc moi, j'ai lu beaucoup sur les Mickey, parce que là, on a l'impression, voilà, c'est directement sur les... Ah oui, excusez-moi, donc du petit geste. Et donc là, il y a beaucoup de protocoles, et puis il y avait un moment une revue qui a pris toutes les études qui ont été faites avec des probiotiques et qui a essayé de comprendre, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que telle étude fonctionne et une autre non? Est-ce qu'il y a une probiotique qui fonctionne mieux? Est-ce qu'il y a une durée qui fonctionne mieux? Est-ce qu'il y a une dose qui fonctionne mieux? Et en fait, non. Hein? Donc il y a pas, on ne peut pas dire un traitement pendant un mois c'est mieux que pendant 6 mois. Des fois pendant les études qui durent longtemps, il y a une amélioration et après l'effet de l'amélioration disparaît un peu à distance. Il y a des fois des études qui sont un peu plus prolongées, qui sont 3 mois où ça fonctionne bien. Donc actuellement on n'a pas assez de données et de données solides pour dire voilà, si vous utilisez une probiotique, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je pense que ça va passer, ça peut seulement passer par des études qui sont bien faites avec des groupes qui sont assez importants, parce que la plupart des études là, vous allez voir des petits groupes de 15 malades, 25 malades. Il y a aussi quelques-uns qui sont plus grands, il y a aussi beaucoup qui montrent qu'il n'y a pas d'efficacité, hein. Donc il y a, pour l'instant, c'est pas une solution magique, et je pense qu'il faut aussi garder en tête que si jamais ces approches relativement douce, hein, ou très, relativement naturelle marche, ça ne va jamais avoir un effet comme un biologique, donc une entité NF-alpha. Bien sûr, il va être plus efficace. C'est pour ça que dans cette étude-là, en gros, on donne des traitements standards, donc les traitements avec les algorithmes qu'on a en ce moment, et on ajoute juste cette probiotique-là en plus. Et je pense que est-ce que si jamais ça marchait, ces probiotiques vont avoir un rôle dans la phase initiale des maladies comme additif, comme rajouté au traitement standard qui va peut-être permettre de décroître plus rapidement le traitement standard, ou est-ce qu'ils vont avoir un rôle préventif en étant longtemps pour éviter que la maladie se redéveloppe ou qu'il y ait une nouvelle poussée. Donc pour l'instant, tout ça, c'est des travaux qui sont à faire. Il faut commencer par quelque chose. Et donc, moi-même, j'ai commencé sur ça, parce que si on fait un traitement préventif, idéalement, il faut prendre une grande partie de la population, traiter tout le monde et voir est-ce qu'ils vont avoir moins de agir la maladie d'intérêt. Ça, c'est extrêmement compliqué à faire. Mais tout ça, c'est des questions qui sont des très, très bonnes questions. Et pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Beaucoup de mots pour dire ça.